simple bonjour, déjà, c'est bien. Bonjour, comment allez-vous? Un mot de politesse. C'était bien. Après, petit à petit, bah, quand on la revoit, on peut faire encore plus de connaissances. À force de voir les gens qu'on ne connaît pas, bah, après, on fait connaissance. Mais c'est beau, ça. Moi, j'aime bien. Moi, je suis un peu timide. Hein. Que j'ai pas tout de suite, quand je ne connais pas, je vais pas tout de suite. J'attends que la personne vienne vers moi. Parce que j'espère, moi, je suis un peu timide là-dessus. Il faut que j'apprenne. Oui, oui, j'ai fait mon chemin. Bon, c'est vrai que je n'ai pas fait mon chemin tout seul. On m'a aidé, on m'a accompagné. Après, il faut du temps pour tout ça. Et je crois que la question du temps est importante. La question du temps est importante. On ne se relève pas tout seul. Il faut du temps. Et faisons comme là les jachères. Ils en font rarement, les maraîchers ou les agriculteurs, ils en font rarement. Mais laissons la terre se reposer. Nous, on vit à notre rythme. Et ben la nature, il faut qu'elle vive aussi à son rythme. Je connais des personnes qui étaient dans la même situation que moi il y a 5 ans, que je n'ai pas revues. Là, je pense à une personne là, que je n'avais pas vue depuis 5 ans, qui est dans un groupe de fraternité, qui a osé commencer à prendre la parole et à s'affirmer. Donc. Quelque part, et maintenant est complètement épanoui et heureux. Parce que j'ai été porté par des personnes qui m'ont rassuré et qui m'ont dit « Mais non, Amélia, tu t'appelles Amélia quand même, et que tu vis, et que... » et puis, j'ai été bien entourée hein, par des personnes qui m'estiment. Et d'être estimée, eh ben, tu te sens, tu vois, portée. Donc, tu te sens beaucoup plus libre pour avancer. Voilà. Beaucoup de choses, moralement, ils m'ont aidé. Ils m'ont appris à ouvrir une Bible que je ne savais pas faire. Je ne sais pas bien lire. Donc, ils m'ont appris, ils ont été patients avec moi. Il y a les partages des repas, des familles. On fait des activités sur la... Oh, mais ils sont géniales, le SAPEL. Oh, je les aime. Je peux compter sur eux. D'être écouté, tout le monde, ils peuvent nous écouter, mais d'être entendu, c'est autre chose. Ça veut dire qu'ils nous comprennent ce qu'on veut vraiment dire. Surtout, c'est les messages qu'on donne, c'est pas... Parce que moi, je peux le dire, peut-être j'ai pas des bons mots parce que je parle pas très bien français, comme ça fait que 4 ans que je suis en France. Mais d'être entendu, c'est autre chose, de prendre vraiment le message, ce qu'on veut dire exactement. Parce que derrière nos mots, il y a vraiment un message de pauvreté. C'est pas que de belles mots qu'il faut écouter, il faut vraiment trouver le message dedans. Oui, j'y crois. Il y a plein de signes qui d'après moi me font dire qu'on va avancer dans la bonne direction. Même si j'ai une citation, une phrase de Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale en 1940, quoi. Et donc c'était la guerre. Quoi. Et il disait on va s'en sortir, mais il y aura du sang et des larmes. Mais on va s'en sortir. Mais c'est clair que ce qu'on vit ou là où on va, il y aura du sang et des larmes. Mais il y aura demain. Ou plus tard.